Le game designer, c'est en français le concepteur de jeu. En fait, c'est la personne qui va établir les règles du jeu. Le game designer, au quotidien, travaille avec les équipes de conception, ainsi qu'avec les équipes de programmation et avec les équipes artistiques. Un game designer doit avoir une connaissance de la grammaire du jeu vidéo, donc de ce qui a été produit depuis 50 ans dans le domaine du jeu vidéo. Il doit avoir une connaissance des différents métiers avec lesquels il est amené à collaborer au quotidien pour mener à bien un projet de jeu vidéo. Un game designer doit avoir une connaissance du marché, c'est-à-dire ce qui fonctionne en termes de game mechanics, et ça doit aussi être une personne qui est en capacité de verbaliser et d'échanger avec ses collègues pour mener au mieux le projet de jeu vidéo. En résumé, pour une personne qui s'intéresse au métier du game design, je l'invite à consulter deux éléments clés pour moi de base. Le premier, c'est L'Art du Game Design, un livre de Jesse Schell. Et le deuxième, c'est le site Gamasutra, qui est une sorte de rendez-vous des professionnels où vous avez énormément de documentation, notamment dans tout ce qui est décryptage de la conception de jeux vidéo.